Nous avons entendu, après le jeu d'orgue initial, le récit que donne Luc dans son œuvre qu'on appelle les Actes des Apôtres de l'Ascension, où l'on voit de façon un peu curieuse ou mystérieuse Jésus prendre congé de ses amis, de ses disciples, des apôtres. Qui mieux que les artistes, les peintres et quelques musiciens ont su traduire et exprimer cette élévation, cette ascension? Et qu'est-ce que cela signifie pour les premiers auditeurs, les premiers lecteurs? Et plus important, pour nous, aujourd'hui, pour vous et moi, il faut interroger cette parole ancienne qui est dans la Bible. Il faut l'interroger, il faut la scruter, la fouiller. Et j'ai souhaité donner suite à cette première lecture avec les dernières paroles de l'Évangile selon saint Marc et apporter un commentaire sur ces versets. Nous sommes donc dans l'Évangile de Marc au chapitre 16. Jésus dit à ses disciples, « Allez par le monde entier, proclamez l'Évangile parmi toutes les créatures. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront des langues nouvelles, ils prendront dans leurs mains des serpents, et s'ils boivent quelque poison mortel, ça ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains à des malades, et ceux-ci seront guéris. » Donc le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils partirent, prêchés partout. Le Seigneur agissait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Ta parole est vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Il y a des choses qu'il est difficile d'entendre, de croire simplement. Voici, je pense que vous avez réagi en entendant cette annonce, voici les signes qui accompagneront ceux qui seront devenus des bons chrétiens, allez, des vrais chrétiens, en mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront des langues nouvelles, ils prendront dans leurs mains des serpents, et s'ils boivent un poison mortel, aucun mal. Ils guériront des malades. Il y en a qui ont essayé. J'ai connu des gens qui, pour tester la véracité d'une parole comme celle-ci, eh bien, consommer un poison et puis ne rien avoir,
eh bien, se sont retrouvés aux urgences. On a essayé. Signe, peut-être, et sans doute, c'est ma proposition, qu'il ne faut pas lire à la lettre et comprendre à la lettre ce que le texte dit, mais scruter ce que le texte veut nous dire. Quelle est l'intention ? Quelle est l'intention de ces paroles ? L'intention, c'est de donner une idée de ce qu'est la vie sur Terre, de ce qu'est l'existence en l'absence physique de Jésus. La première génération a eu du mal. Ils ont dû accepter qu'il ne soit plus avec eux. Un peu désemparés, eh bien, les voilà qui, via, alors ce ne sont pas eux les disciples, mais plus tard, ceux qui ont reçu leur message et qui ont entendu parler d'eux, etc., les évangélistes qui écriront que Jésus est parti au ciel et qu'eux sont restés là. Nous sommes là. Nous ne sommes pas au ciel. On ne vit pas dans les nuages. Je ne pense pas que ce soit très stable, la vie dans les nuages. Et nous sommes appelés à une certaine stabilité. Alors quoi ? On a représenté ce Christ qui est parti dans le monde de Dieu, il s'assied à la droite de Dieu, nous dit textuellement Marc. Qu'est-ce que ça signifie, ce Christ assis à la droite de Dieu ? Que signifient ces représentations d'un Christ aller en majesté, comme on dit, que l'on voit en sculpture, en fresque, dans des tas de représentations assez redoutables. C'est très 19e siècle, le style. On a l'impression d'une divinité de l'Antiquité, un Jupiter qui est prêt à balancer la foudre sur la terre depuis là-haut. Est-ce cela ? Est-ce lui ? Le Seigneur qui est monté à la droite de Dieu, le Christ en qui nous essayons de croire, il y a des paroles qui sont magnifiques. Vous avez entendu dans le récit des Actes, par la plume de Saint Luc, qui en est l'auteur, eh bien, il fait intervenir, un peu comme à la résurrection, des envoyés, des anges, des ambassadeurs, personnages vêtus de blanc, on ne sait pas très bien d'où ils viennent, mais dans la tradition biblique, des personnages rayonnants ainsi sont des ambassadeurs, des messagers qui vont donner une indication importante. Homme de Galilée, et non pas Jean de Galilée, ce sont des hommes. Excusez-moi, chère sœur, ce sont des mecs. Eh bien, ouais. Il s'adresse à ces hommes. Galilée, c'est cette contrée au nord d'Israël
où il y a un mélange, c'est le mot Galilée, Galal en hébreu, où il y a un mélange de culture, de civilisation, de provenance énorme, où il y a du lumineux, du moins lumineux, où il y a de l'énergie et aussi de l'inertie, où il y a le meilleur et peut-être le pire, eh bien, vous êtes là-dedans. Vous venez de ce melting pot, comme on dit aujourd'hui, de ce méli-mélo où c'est le méli-mélo de l'existence et de sa complexité, la complexité du monde. Et on vit avec la complexité. Qu'avez-vous à regarder vers le ciel? Ça, c'est une bonne question. Si je veux avancer et que je lève la tête pour observer, je ne sais pas, les étoiles ou des oiseaux qui me passent au-dessus de la tête, eh bien, je risque fort de me retrouver simplement par terre, de louper la marche, de buter. Qu'avez-vous à regarder le ciel? Votre job, c'est ici, aller. Et ça, c'est la parole du Christ. Allez, proclamez la bonne nouvelle. Pas une mauvaise nouvelle, mais proclamez la vie. Et alors j'en viens à ces signes qui sont des choses un peu fascinantes et qui peuvent peut-être séduire des personnes en besoin, en faiblesse. Ces signes miraculeux, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'on peut augmenter, donner de l'intensité à la vie, à la sienne, à celle des autres, par l'estime, par un geste. On peut faire du bien avec une poignée de main, avec un toucher. Est-ce que le fameux don de guérison ne serait pas dans des choses extrêmement simples? Des gestes simples et bons, remplis de bienveillance. Et il est question maintenant de ce Christ, de Jésus qui est assis à la droite de Dieu. Alors là, de nouveau, j'ai interrogé et me suis rappelé d'autres écrits de l'Antiquité, du monde antique, où l'on voit à la fois saint Paul dans un récit du livre des Actes des Apôtres qui balance dans le feu un serpent qui s'agrippe à son poignet, à son avant-bras, mais il arrive la même chose bien plus tôt à Énée, selon Virgile, il arrive la même chose à Ulysse, selon Homère, et c'est une manière de penser que l'on avait dans ce monde de l'Antiquité, que l'être humain qui vit avec la bénédiction de son Dieu. Alors, dans l'Antiquité, c'était peut-être un des dieux du Panthéon qui accompagne Ulysse ou Énée. Eh bien leur donne une certaine maîtrise
sur les éléments dangereux qui mettent en péril l'existence. Je reviens à ce Christ représenté tant et tant de fois dans une majesté redoutable qui fait un peu peur. Alors, ce n'est pas le Christ qui fait peur, c'est l'apparence qu'on lui a donnée par les outils des sculpteurs, des artistes. Qu'est-ce que ça signifie qu'il est à la droite de Dieu? Est-ce peut-être un écho à cette parole de l'apôtre Paul que l'on trouve dans l'Épître aux Colossiens, une invitation à lever les yeux, à chercher en haut, et précisément, Paul écrit, chercher en haut, là où est le Christ, et non les choses de la terre. Alors, cette exhortation est belle et bonne, mais on risque aussi, en délaissant complètement les choses de la terre, de passer à côté des autres, au lieu plutôt de reconnaître que le Christ en haut, c'est peut-être ici. J'ai trouvé ce paradoxe. C'est un paradoxe que le Christ en majesté, c'est-à-dire dans sa grandeur, eh bien, est tout près. J'ai trouvé dans la cantate de l'Ascension de Jean-Sébastien Bach, dans le choral au milieu de cette cantate, tout simplement dans l'écriture musicale et dans les paroles, une interprétation absolument géniale de cette réalité. Il y a un aller-retour incessant entre le haut et le bas. Ça monte et ça descend, comme un ascenseur, comme un yo-yo. Musicale, thématique, de sens, de signification forte. Et si vous avez l'occasion d'être chez vous ailleurs devant un écran d'ordinateur, faites simplement une recherche BWV, Basswerke Verzeichnis. C'est la numérotation des œuvres de Jean-Sébastien Bach, BWV 11, et c'est cette cantate, une splendeur. Et si vous avez la possibilité de suivre le texte également, alors il est en allemand bien sûr, mais quelle beauté! Quand on est parent, on apprend ce que signifie le mot émancipation. Et peut-être que nous avons tous appris ce que signifie et avec quelle importance l'émancipation pour nous tous. Est-ce que l'ascension ne serait pas une manière divine de signifier que Dieu se retire pour que l'être humain soit libre, libre et responsable. Libre et responsable, vous et moi, ici, dans notre chemin, dans le chemin de nos existences, avec
Ça, c'est la suggestion de Zwingli et de Calvin, par exemple, avec la compagnie et l'inspiration de l'Esprit Saint. Dans le monde orthodoxe oriental, eh bien, il est question d'un Dieu qui descend dans l'incarnation et à l'ascension. L'ascension, c'est l'être humain qui monte, qui est élevé. Quel père de l'Église disait « Dieu s'est fait homme afin que l'homme soit fait Dieu » avec un petit « d », pas avec un grand « d ». Alors je crois qu'il y a une bénédiction extraordinaire qui nous rapproche du Dieu avec un grand « d », mais ne nous prenons pas trop au sérieux. Enfin, moi j'essaie d'éviter cet écueil. Je retiens et je conclue par ceci. Ils partirent prêcher partout. Ils vont apporter une bonne nouvelle, quelque chose qu'ils ont reçu du Christ, de Jésus. Et ils vont plus loin. Ils ont un trésor dans les mains et ils vont le partager. Et voici que tout simplement des signes, des indices apparaissent et confirment leur énergie enthousiaste et leur mission. Et lorsque nous nous retrouvons, et tout à l'heure, pour ceux qui ont l'idée d'aller à Vendeuvre, au chemin Saint-Jacques, pour ce moment de partage écuménique, eh bien puisse cette rencontre se faire dans la confiance, dans l'enthousiasme, avec une estime dont on fait le choix et la décision. L'évangile de Marc, ce n'est pas dans tous les manuscrits, finit par un petit mot qui conclut à peu près toutes les prières. Ce n'est pas abracadabra, mais c'est Amen. Amen, ça veut dire quoi? C'est du solide. C'est du solide, on peut s'y fier à cette parole de l'Évangile, à cette parole qui est nourriture pour notre vie intérieure et puis aussi pour la rencontre fraternelle. Amen.